Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Sobone. Nous sommes de retour pour de nouvelles vidéos. C'est vraiment hors du commun ce que nous allons entendre ici. Soyez prêts. Une jeune femme va nous expliquer comment elle communiquait avec l'esprit de son grand-père mort. C'est-à-dire que son grand-père est décédé, mais quand même, elle arrivait à communiquer avec lui sans même le savoir. C'est comme si elle avait de super pouvoirs. Mais qu'est-ce que c'est? Écoutons ça. Je vous raconte cette expérience depuis le Gabon. Je souhaiterais véritablement avoir des interprétations de chacun d'entre vous, en tout cas de ceux qui s'y connaissent un peu. Je suis une jeune fille qui est née avec une sensibilité spirituelle assez développée, mais aujourd'hui, j'essaie encore de comprendre certaines choses que je ne comprends pas. Très tôt, c'est-à-dire depuis l'âge de 4 ans, je savais beaucoup de choses, c'est-à-dire que je pouvais voir des choses que des jeunes filles de mon âge ne pouvaient pas voir. Je pouvais comprendre des choses, en tout cas voir des choses que les gens ne voyaient pas. Je les voyais. Je grandis comme ça. Mais par la grâce de Dieu, j'ai grandi dans une famille tout de même chrétienne. Qui ne l'a pas toujours été, mais en tout cas qui est devenue chrétienne. Une expérience comme ça, c'est que la première fois que je vais dans mon village où je suis très consciente, je vis une expérience particulière. C'est-à-dire que dès que j'ai foulé, je suis descendue de la voiture et j'ai foulé le pied de mon village. En esprit, mon grand-père, qui est mort et qui est enterré un peu au milieu du village, on va dire, est venu vers moi. Et il m'a dit, de façon inconsciente, pendant que je ne le voyais pas, j'avais 6 ans, toutes les personnes autour de moi me parlaient, me disaient « Bonjour, ça va, bienvenue ». D'autres le disaient en français, d'autres le disaient en langue. Et il me disait « Bonjour, ma petite fille, je suis heureuse de te voir. Viens, je vais te présenter ton village. » C'est ainsi qu'il me disait, ici, c'est la maison de tel. Et il me racontait, tel, comme ça. Là, c'est la maison de tel, comme ça. Jusqu'à ce que, je vous assure, j'étais petite, j'avais 6 ans plus tôt. J'avais 6 ans, je ne savais pas que cet homme appartenait à mon grand-père, en fait. Je ne savais pas. C'était la première fois que je venais au village de façon consciente, je vous dis. Parce que quand j'étais bébé, il m'est arrivé d'être au village. Sauf qu'à un moment, ma maman, elle est allée en ville et puis on est resté en ville. Et quelle que soit ma sensibilité, je ne faisais pas de tour au village. Et là, c'était la première fois que je faisais un tour au village. C'est-à-dire que à partir de 4 ans, je pense que j'étais consciente. Maintenant, à 3 ans, je ne m'en souviens plus. Mais je me souviens de ce que j'ai fait à 4 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à maintenant. Donc, il m'a orienté, parlé à tout le monde et me disait qui étaient un peu les gens à qui je pouvais un peu faire confiance, d'autres un tout peu pas, des choses comme ça. Jusqu'à ce qu'il est arrivé, il a dit « Voici ma tombe. Je suis enterrée ici. » Et devant tout le monde, je suis allée. Devant la tombe, devant tout le monde. Tout le monde m'a regardé pendant que je suis partie. Je suis allée sur la tombe. Et j'ai demandé à mes frères, parce que j'avais des frères, c'est-à-dire mes cousins, qui étaient là, bien avant moi, et qui jouaient. Et qui m'ont dit, bienvenue, toi vraiment tu ne viens pas ici, et tout, on te voit pas souvent. Et je leur ai dit que... Ah, c'est pas de ma faute. Et puis j'ai demandé, mais c'est qui est enterré là? Mais c'est le grand-père, tu ne sais pas. Et j'ai dit, non, je ne savais pas. Et puis il m'a dit, tu vois, je t'ai dit que c'est là. Je suis enterré. Quand tu viens me voir. Alors, ça se passait comme ça. Des fois, quand je partais au village, la première fois que je suis partie, je partais près de la tombe.
Et je la touchais la tombe comme pour lui dire bonjour. Et puis, j'avais un sentiment de paix et je partais. Les gens me racontaient que mon grand-père, c'était quelqu'un de très grand qui avait fait beaucoup de choses avec un très grand cœur et qui avait une dimension mystique et qui, en tout cas, qui avait la capacité de faire beaucoup de choses. C'était un homme qui était connu dans toute la ville et qui était reconnu pour son caractère, pour son audace. En tout cas, c'était, comme on dit chez nous, c'était un homme. Je ne vais pas le dire en langue parce que je donnerai plus d'informations sur qui je suis à ce moment-là. Alors, je vais maintenant aller au fait de l'histoire, c'est-à-dire à ce que j'ai vécu personnellement. Et ce qui m'emmène devant vous, cette expérience extraordinaire qui m'emmène devant vous, qui m'emmène à vous poser des questions. Et s'il y a quelqu'un parmi vous qui a une réponse, n'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire, un numéro de téléphone, même en commentaire. Peut-être je vous contacterai pour en savoir un peu plus. Alors, à l'âge de 10 ans, 11 ans, je priais beaucoup. Mais vraiment, hein, même après cette expérience-là, quand je suis rentrée, je priais, ma maman priait. Donc, je rentrais dans la prière. Et donc, très tôt même, j'ai été dans la chorale. J'étais dans la chorale de mon église, je priais. J'étais une petite fille assez, assez consciente. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'étais comme une grande fille dans un corps de petite fille. Donc, je savais beaucoup de choses. Je savais beaucoup de choses sans les savoir, parce qu'en même temps, j'avais cette part d'enfant en moi. Et j'avais cette part d'adulte en moi aussi. Et ces deux natures se battaient en moi. Alors, un temps, je priais beaucoup. Je priais tellement que lorsqu'on me voyait, même ma façon de me vêtir était étrange. Parfois, les gens, quand ils me regardaient, ils se disaient que j'avais une sœur à moi, une sœur. Les gens se disaient que j'étais sa grande sœur, alors que pas du tout, j'étais sa petite sœur. J'avais bien l'apparence d'une petite fille, hein. Mais sauf que je m'habillais correctement. Je n'étais pas comme ma grande sœur qui s'habillait comme une jeune fille. Mais moi, je m'habillais comme une grande personne sans le savoir. Et les gens me disaient, mais c'est bizarre. Comment tu peux t'habiller comme ça à ton âge? Tu as l'idée de t'habiller comme ça? Et dans mes réflexions, c'était toujours, on avait l'impression que j'étais une grande personne. Mais bon. Dans tous les cas, je priais beaucoup. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, hein, énormément. Je me souviens qu'à l'époque, et ça va peut-être faire partie de notre histoire que je vais raconter, à l'époque, un ganga était arrivé, comme on dit chez nous, un ganga était arrivé à la maison un jour, et il avait dit à ma maman, bon pas à ma maman, à ma tante, parce que j'étais chez ma tante à ce moment, que cette fille, elle a quelque chose de spécial. Il faut nous la donner. Il a dit non, il faut nous la donner. Elle doit être avec nous. Parce qu'elle voit beaucoup de choses. Et il a dit comme ça devant tout le monde. Elle a une étoile, elle voit beaucoup de choses. Elle est spéciale. Et pendant qu'il parlait de moi à ce moment-là, il y avait des choses mauvaises qu'il cachait. C'était comme s'il parlait bien de moi, peut-être pour me berner, pour ne pas que je dise les mauvaises choses qu'ils avaient. Mais j'étais toujours en train de prier. Pour moi, la solution de tout ce que je pouvais faire, c'est-à-dire de la spiritualité, de ce que je pouvais rencontrer comme problème, pour moi, c'était la prière, à tous les coups. C'était ça. Je ne voyais pas autre chose. Bien que je vivais des expériences étranges, j'avais 10 ans et je vivais des choses étranges. Je pouvais voir des gens qui pouvaient rentrer, des esprits qui rentraient dans la maison, des gens qui faisaient des choses bizarres.
Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était bien ça. Quand j'arrivais dans un quartier, je pouvais savoir où les gens pouvaient se réunir, où on tuait les gens, où il y avait des réunions, mais à chaque fois que je les voyais, eux, ils ne me voyaient pas. Et puis, ils sentaient qu'il y avait une présence, mais ils n'avaient pas à me voir. Je me souviens déjà, dans certaines, un jour, une expérience comme ça, il y avait des gens qui disaient, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder. Quelqu'un qui a découvert, et je voyais qu'ils étaient en forme de cercle en train de manger, c'est-à-dire qu'ils venaient à peine de tuer quelqu'un. Et puis, dans ce quartier-là, ils se regroupaient quelque part, ils tuaient quelqu'un et ils ont versé le sang dans leur coupe. Ils ont fini de préparer le corps de cette personne et ils étaient en train de manger. Pendant que je voyais quelque part, il y avait un lot d'ossements humains de personnes qu'ils se décidaient à manger à chaque fois. Et ils étaient à cette soirée, tous. Et quand je suis arrivée ici, tous, ils se sont retournés vers moi. Mais ne me voyant pas, parce que je voyais dans leurs yeux qu'ils se demandaient où j'étais, mais c'était comme s'ils sentaient ma présence, mais ils ne me voyaient pas. Ils étaient en train de dire qu'il y a une personne qui est arrivée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui nous voit. Mais qui est cette personne qui voit ce qu'on fait? Ça semblait très grave pour eux. En quelques minutes après, je suis partie de là. Bon. Il faut que je vienne à l'histoire pour ne pas vous tirer en longueur. Donc, un jour, dans ma famille, j'ai mon grand-père, c'est-à-dire le petit frère de mon grand-père qui était décédé, il était ministre. Il avait un poste de ministre et c'était quelqu'un qui, dans nos coutumes, malheureusement, parfois, venait des coutumes assez étranges. Mon grand-père était sorti avec ma tante et ils ont eu deux enfants. C'est des coutumes qui existent parfois dans nos pays un peu étranges, qu'on ne peut pas expliquer. Ce sont des choses qui se sont passées il y a très bien longtemps. Mon grand-père devait arriver chez ma tante. Et moi, j'étais chez ma tante en vacances. Et donc, il devait arriver. Et puis, on a commencé à tout arranger. Parce qu'il était ministre et parce que, voilà. Vous savez, dans les familles, quand quelqu'un devient ministre, il devient tout de suite très spécial. On a tout arrangé, la maison, la table. On a fait sortir des couverts vraiment spécial. Tout, c'était... Tout était passé au petit fin, les repas ont été bien faits, etc. Parce qu'il devait arriver. Et ma tante, elle était enceinte. Elle avait eu une grossesse assez difficile, mais assez sensible. Notez bien que mon grand-père n'étant plus avec ma tante depuis déjà très longtemps, parce que c'était la coutume qu'ils les avaient mis ensemble. Sauf que ça n'avait pas marché leur mariage et ils avaient dû se séparer malgré le fait qu'ils avaient eu tout de même deux enfants. Et donc, ils se sont séparés. Alors, ce jour-là, il est arrivé aux environs de midi. Et donc, le gardien a ouvert le portail, il est rentré. Quand il est rentré, il est venu dans une belle voiture, mais vraiment. Et nous étions tous aux aguets, très contents de le voir. Il est rentré. Et quand il est descendu de la voiture, tout le monde a commencé à le saluer, dire bonjour, comment tu vas? Ma tante, en premier, l'a salué. Mais c'était étrange, pourquoi? Parce que il avait comme des mains baladeurs sur ma tante. Je ne sais pas pourquoi, mais il se comportait parce qu'il était censé être son père, bien qu'il ait été son mari. C'est-à-dire que si elle rencontre un autre homme, comme c'était le cas, il devenait le beau-père. Vous imaginez une situation assez étrange. Vous épousez une femme,
Et c'est son ex qui devient ton beau-père. Et tu lui dois le respect, parce que c'est la coutume, tu lui dois le respect et l'honneur de tout un père, alors qu'il a fait 2 enfants avec ta femme. C'est étrange. Eh ben, c'était bien ça. Alors, il est arrivé et il a dit bonjour à tout le monde. Me voici, mais vraiment dans mon attitude, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à prier au fond de moi. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, protège-moi. Et j'ai commencé à prier que, voilà, que quand je vais lui dire bonjour, que vraiment, Seigneur, tu me protèges, qu'il n'arrive à rien extirper de moi, que voilà, mais pourquoi je faisais ce genre de prière? Mais j'étais une petite fille, je ne connaissais pas, j'étais pas censée, en tout cas, moi, dans mon entendement, aujourd'hui, je me dis, mais une petite fille de 10 ans qui doit savoir qu'on peut extirper de l'énergie de quelqu'un en le saluant, on peut faire des choses, on peut... Mais bon, j'ai commencé à prier dans ce sens. Et quand il a pris ma main à ce moment-là, avant de rentrer, parce que j'ai été la dernière qu'il a dit bonjour, et il m'a dit bonjour, il a mis sa main derrière mon dos, il a rapproché mon corps près de lui, et là, il a tendu sa bouche près de mon oreille et il m'a dit, en chuchotant, « Pourquoi tu pries ?» Je vous assure que... je ne sais pas. J'ai eu une frayeur qui est tombée tout au long de mon dos. Alors, quelque temps avant, quand on faisait les préparatifs de quand il devait arriver... J'avais ce truc au fond de moi. Je savais qu'il n'allait pas venir de façon simple. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais les choses arriver. Et donc, j'étais dans un état, à la fois spirituellement et physiquement, j'étais dans un état vraiment très anxieuse. Je me disais, mais il y a quelque chose de bizarre qui va arriver. Et je priais déjà. Je disais, mais Seigneur, protège-moi en tout cas, protège-moi. Alors, quand il m'a dit ça, pourquoi tu pries? Et... il s'est détaché de moi, il m'a regardé dans les yeux et il a ricané. Et je l'ai regardé. Et il a parlé par télépathie, comme ça, parce que la phrase que j'ai entendue tout juste après de lui, il n'a pas bougé, eu besoin de bouger les lèvres pour me dire quoi que ce soit. Il m'a dit, je ne te veux aucun mal. Et donc, j'étais... est-ce que j'ai bien entendu? J'ai bien compris ou bien c'est que j'étais en train de me dire au fond de moi, est-ce que j'ai bien compris ou je me suis trompée ou c'est mon imagination? Parce que malgré le fait que je pouvais vivre tous ces phénomènes là, ma raison me disait toujours que peut-être que j'étais un peu folle, peut-être que ça n'allait pas, peut-être que c'était mon imagination qui me montrait certaines choses. Il est rentré et moi j'étais tout de suite un peu bizarre, mais j'essayais de sourire quand les gens me regardaient, mais au fond de moi je me posais des questions. Et il est allé s'asseoir et il m'a regardé assis avec insistance quand je passais tout au long du salon pour retrouver la salle à manger. Les gens étaient autour de lui, comment il va, ça va et tout. Bien évidemment, mon oncle, c'est-à-dire le mari de ma tante, il lui a dit bonjour, mais très distant, parce que il sait que c'était quand même un homme qui a eu des enfants avec sa femme. Donc, du coup, c'est la coutume fait des choses vraiment très extraordinaires, mais parfois aussi pas belles. Mais en tout cas, vous comprenez un peu dans quelle attitude il était. Il était un peu jaloux. Surtout que mon grand-père en question, parfois, la touchait d'une certaine façon. Et il jouait un peu à l'énerver un petit peu mon oncle. Et c'était pas facile pour lui de gérer ça. Donc, il faut que je note pour que vous compreniez pourquoi ça s'est fait, que mon grand-père en question était le petit frère de mon grand-père, mais ce n'était pas de près, c'était un peu de loin, mais c'est une coutume assez... ce qui pouvait justifier qu'il pouvait se marier dans la coutume, mais je ne vais pas l'expliquer, peut-être que certains pourraient comprendre... mais je n'ai pas envie de l'expliquer parce que ce n'est pas l'objet de cette histoire. Voilà. Donc, il est venu, il a passé toute la journée. Pendant qu'il passait toute la journée,
Ma maman était à côté de lui et ils étaient proches, assis ensemble. Il attrapait les mains, il la touchait d'une façon. Et mon oncle, qui regardait sa femme comme ça, avec son soi-disant papa, il s'était énervé, il était furieux, il bouillait au fond de lui. Il avait envie de mal réagir, mais il ne pouvait pas, parce que la vérité, c'était que c'était aussi le beau-père. Et donc, il ne pouvait pas. Et il bouillissait au fond de lui, c'était vraiment très très gênant. Et nous, on pouvait voir ça. Et donc, ma maman, donc ma tata, elle essayait de contrôler ça parce qu'elle voyait quand même que son mari était dans une posture assez délicate. Mais bon. Et c'est là qu'il lui dit qu'elle est enceinte. Elle dit oui, et puis il demande le sexe. Elle dit c'est une fille. Ah, et lui félicite. Mon oncle félicite mon oncle, et puis il lui dit félicitations et tout ça, là c'est très bien et tout, et plein de choses. Il dit ah oui et tout ça là, merci et tout. Ah, il dit bien, écoute, il a fait sortir de l'argent, il a donné à ma tante parce qu'elle lui a dit aussi qu'elle avait peut-être, je sais pas, quelques soucis, je sais pas, un truc comme ça, il lui a donné. Et puis après, on a dit se diriger, on est parti à table. En tout cas, eux, ils sont partis à table, ils ont mangé, j'étais une petite fille. Donc ils sont allés entre adultes, ils sont allés sur la table, ils ont mangé, et nous, on devait aller manger ailleurs. On avait un salon dédié à nous, donc on allait manger à table, mais ailleurs, sur la table des enfants. Donc ils ont mangé, la journée s'est bien passée et puis à un moment il a dû partir. Et quand il est parti, c'était bizarre. C'est quand il est parti que j'ai été libérée parce qu'à chaque fois j'étais sous pression. J'avais l'impression qu'il était venu faire quelque chose, qu'il n'était pas venu simplement. Et qu'il était venu faire quelque chose au bébé de ma tante, qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et pendant qu'il se touchait, c'est-à-dire qu'il l'attrapait, qu'il jouait un peu avec elle, là, comme ça, sous nos yeux, et que c'était gênant. C'était comme s'il y avait quelque chose qui se passait. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'était mon imagination? Est-ce que c'était la vérité? Est-ce que c'était... Je ne sais pas. La nuit est arrivée. Pendant que je dors, je fais un rêve. Je fais un rêve où je revis la scène de la journée et il arrive avec sa voiture. Il revient dans la voiture, mais quand il arrive dans la voiture, les vitres de la voiture sont fumées. Donc, je ne vois pas qui est à l'intérieur, mais c'est la même voiture. Quand il descend de la voiture, c'est comme si mon oncle, c'est-à-dire le mari de ma tante, s'est incorporé en lui. C'est-à-dire que physiquement, on avait l'impression que c'était mon oncle, mais intérieurement, c'était mon grand-père. Et il venait avec la même voix me dire bonjour. Et là, j'étais debout et il me regardait en train de rigoler. Et il me disait... Qu'est-ce que tu peux bien faire? Et donc là, je ne comprenais pas. J'avais l'impression qu'il venait faire quelque chose ou on était en train de me montrer peut-être ce qu'il avait fait en journée sans que je ne le sache. Il est arrivé en me voyant et j'étais tout de suite bloquée au sol. Je n'arrivais plus à bouger. Je voulais courir, l'empêcher de rentrer, l'empêcher de faire ce qu'il avait à faire, mais je n'arrivais pas. Je voulais crier, mais... Quand je parlais, on n'entendait pas ce que j'avais à dire. Et donc, il est arrivé. Et puis, je le vois arriver. Il rentre dans la maison et il va s'asseoir quelque part, au même endroit où il était assis. Et là, il y a une petite fille qui descend de la voiture dans les mains et elle tient un bébé couvert d'un tissu noir et elle-même elle a une robe noire. Elle rentre dans la maison derrière lui et moi je voulais l'empêcher. Mais dans la vraie vie, j'étais quelqu'une qui avait peur des chiens. J'avais peur des chiens parce que j'avais vécu des choses
vraiment très mystique avec des chiens. Et quand on me disait que le chien est le meilleur ami de l'homme, je disais pas tous les chiens, parce qu'il y a des chiens qui sont aussi mystiques et qui peuvent être très méchants. Et donc, voici que il y avait sur la table du salon où était assis mon grand-père des bibelots en forme de chien. Ces chiens se sont transformés en de vrais chiens. Ils étaient en train d'aboyer sur moi pour m'empêcher de bouger parce que j'avais peur des chiens et donc je ne pouvais pas bouger parce que j'avais peur qu'ils me mordent. Et ils étaient très grands, plus grands que moi. Ils aboyaient sur moi. Cette petite fille est rentrée. Elle a marché tout au long du salon. Et quand elle est arrivée devant le couloir, pendant que à ce moment-là, ma maman, c'est-à-dire ma tante, parce que vous savez, chez nous, on ne dit pas tante, on dit maman. Mais je dis tante pour que vous puissiez comprendre. Ma tante était dans sa chambre à ce moment-là, dans le rêve. Et puis la petite fille, avant de rentrer dans le couloir, pendant que mon grand-père était en train de rire et se moquer de moi, en me disant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Tu ne pourras rien faire à ça. Tu ne pourras rien faire. Et j'essayais de l'empêcher pour qu'elle ne rentre pas. Je lui disais, tu ne rentres pas là-bas. Tu ne pars pas là-bas. Et la petite fille qui tenait ce bébé dans un vêtement noir s'est arrêtée pour me regarder. J'ai vu son visage. Et ensuite, elle est rentrée dans le couloir. Et c'est comme si j'ai eu une vision de comment elle allait rentrer dans la chambre de ma tante. Elle est partie, elle est rentrée dans la chambre de ma tante. J'ai eu la vision comme si elle allait mettre le bébé dans le ventre de ma tante. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, le rêve s'est coupé. Après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'avais une douleur au pied. Aux mollets. Et c'était mes mollets et mes pieds là qui semblaient être bloqués au sol. J'ai eu une douleur vive dans mes pieds, tellement je ne pouvais pas me lever. J'ai eu tellement mal. Et je me suis levée, j'ai prié. J'ai secoué ma soeur qui était juste à côté de moi et je lui ai dit, regarde, j'ai mal aux pieds. J'ai fait un rêve étrange et voilà, j'ai mal aux pieds. Je ne sais plus si je lui ai raconté le rêve, mais j'avais tellement mal aux pieds, tellement mal que je n'arrivais pas à me lever, je boitais. Je me suis quand même levée le matin et je boitais. Quelques heures après, en soirée, je pense, ma tante a eu mal au ventre, elle a eu des douleurs au ventre. La grossesse était vraiment très difficile. Elle avait eu une crise ce soir. Ce jour-là, en tout cas, le lendemain matin, elle avait eu une crise qui avait fait qu'on a lui allé à l'hôpital et tout, mais vraiment quelque chose qui était bizarre, qui m'avait semblé être la conséquence de ce qui s'était passé la nuit. On a laissé passer tout ça, c'est passé. Elle n'a pas accouché parce que cette crise-là a fait que peut-être qu'elle devait accoucher et que voilà, mais en tout cas, C'était assez très dangereux pour le bébé, tout ça là. Je peux pas en dire plus aujourd'hui parce que je savais pas trop. J'étais une petite fille, on m'en disait pas plus que ça. J'entendais les grands parler et puis voilà. Alors, ce rêve et ce jour est passé. Et puis c'est fini, hein. Plusieurs années, quelques mois après, ma petite sœur, c'est-à-dire l'enfant de ma tante, est née. Elle est née. Et puis, ma tante, qui ne vivait pas au Gabon, est partie à l'étranger. Et puis, elle est revenue souvent. Je gardais les enfants. Elle est repartie. Et puis, voilà. Plusieurs années après, c'est-à-dire près de 8 ans, 10 ans après, quand je regarde le visage de ma petite sœur, elle ressemble à cette petite fille qui était dans mon rêve ce jour-là. Mais ça semblait être une petite fille, mais vraiment maléfique. Mais vraiment maléfique, je ne sais pas comment vous expliquer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis tellement troublée parce que je ne sais pas si ma petite sœur en question est une sorcière
ou pas du tout. Parce que je n'ai pas compris comment c'était possible de voir une personne qui se porte elle-même dans les mains pour aller se mettre dans le ventre de sa mère. Je n'ai pas compris en fait. Elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Ma petite sœur en question, qui est la fille de ma tante, c'est une petite fille très timide, très calme, mais qui a un côté assez dissimulé. Elle n'arrive pas à bien faire l'école, mais elle se bat quand même. Ce qui fait que bon, on sent que l'école pour elle, en tout cas, c'est dur, mais elle se bat. Elle prie, par la grâce de Dieu, elle prie, mais j'ai l'impression que sa vie n'est pas facile. Mais elle prie. Par la grâce de Dieu, elle de mes oncles qui l'a aidée à rencontrer le Seigneur, très petite, et puis elle est dans la prière, elle prie. Mais sa vie n'est pas facile. C'est-à-dire que pour qu'elle ait la moyenne à l'école, c'est dur. Pour qu'elle étudie, c'est dur. Elle n'a pas confiance en elle, elle est un peu très timide. Mais je vous assure que ma petite sœur en question, la fille de ma tante, si vous la faites asseoir et que vous lui faites prendre une photo, elle a quelque chose qui se dégage d'elle, une personnalité, je ne sais pas. Elle semble ne vraiment pas connaître qui elle est, je ne sais pas. Elle est comme ces stars, tu as l'impression que elle est une star en fait. Elle est sur les réseaux sociaux et elle a des comptes où elle a beaucoup de followers. Mais entre l'image que les gens sont en train de voir d'elle là-bas et la vérité, c'est deux personnes différentes. Là-bas, ils ont l'impression que c'est une fille très... Mais non, non. C'est une fille extrêmement timide qui prie, mais voilà quoi. Donc, je voudrais demander à la communauté aujourd'hui, s'il y a des spirituels parmi toutes ces personnes qui sont là, qu'ils me disent qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas comment appeler ça, ce phénomène. Comment ça se fait que cette jeune fille qui partait déposer le bébé amené par mon grand-père dans le ventre de ma tante soit la même fille qui existe aujourd'hui sur le plan physique et qui est là, que j'appelle ma petite sœur, que j'envoie, avec qui je parle? Et vous pouvez savoir combien de fois, à chaque fois que je la regarde, c'est comme si je suis un peu traumatisée parce que je me pose des questions. Et des fois, à un moment donné, je me rappelle qu'après un moment, je commençais à être un peu distante avec elle parce que je me disais que peut-être qu'elle a quelque chose. Ou qu'elle est un peu sorcière ou je ne sais pas où. Ou elle ne se rend pas compte où. Peut-être à un âge, elle se rendra compte où, je ne sais pas. Donc, j'aimerais avoir des explications parce que ça fait bizarre de voir quelqu'un qu'on a vu il y a très longtemps dans le rêve étant quelqu'un de très mauvais, mais vraiment de mauvais, avec, je ne sais pas, mauvaise aura, comme si c'était un très mauvais esprit. Aujourd'hui, comme si c'était une très très bonne personne et qui prie beaucoup, qui essaye vraiment de s'en sortir. Donc, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui peut me donner des explications à ça, je suis ouverte. Merci beaucoup, DMG. Waouh, mes frères et sœurs, c'était long. Moi, mais je suis maintenant perdu. Je ne comprends plus cette histoire. Si vous avez bien compris, réagissez en commentaire, faites-moi un bref résumé. Hein. Parce que moi, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je sais, c'est que parler avec les gens qui sont morts, c'est quand même une chose assez compliquée. Il ne faut pas soi-même aller parler avec eux. Même s'ils viennent vous visiter en songe et tout ça, ce n'est pas de votre faute. Vous voyez, vous n'avez juste qu'à regarder ce qu'ils font et ce qu'ils vous disent. Et faites très très attention. Soyez très 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 vigilant. Parce que le diable se déguise et il prend plusieurs formes aussi.
Je vous donne maintenant rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Sorbonne. Restez connectés.